Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous Palmis Akma pour la CAI. Sans surprise, eh bien, un juge, un fédéral juge dans Louisiana, empêché Biden mettre fin à sa nouvelle Title 42, eh bien, qui était mis en place, en fait, qui était en place depuis sous Donald Trump. Objectif Title 42, c'est une décision du CDC qui était empêché, quel que soit mon nom, traverser les frontières. Sous base de pandémie coronavirus. Biden nous connaît qui, justement, prend décision pour camper aux États tel 42. D'ailleurs, c'est 23 ou t'as pas le temps d'il. Eh bien, fédéral juste a dit administration Biden n'a pas capable de faire ça. Je ne veux dire à ça, je dit décision qui a un rapport avec pandémie, qui n'est pas même une décision au niveau immigration, institution qui est responsable. Pas bon ici aux États-Unis pour prendre des décisions qui ont un rapport avec la pandémie, ni pas l'autre monde qui est d'ici. Je ne veux dire à ça qui passe dans le cas, c'est que Livin tombé en bas un juge. C'est un juge qu'on est là qui décide pour toujours continuer. Qui ça au bas comme argument? Il t'a fait comprendre que Biden pas suivre procédure, wind down, l'état terminé, comme quoi. Il était supposé publier dans le Federal Register by commentaire ou ensemble de bagailles. Donc, il a attaqué le sous-bas de procédure. Or, ce n'est pas une décision d'immigration, c'était une décision de la part du CDC. Ça nous c'est une décision de la part du CDC. C'est lui qui a gagné autorité pour camper et c'est ça qui fait. Donc, c'est une véritable aberration, ça qu'a fait là, justement. Côté que, une autre fois encore, il montrait que. C'est des juges, et qui juge? Des juges que Donald Trump mettait sous pied, qui prennent des décisions qui ont un rapport avec l'immigration. Donc, cela veut dire quoi? Eh bien, en pile, le monde qui t'attend sous frontière Mexique, eh bien, il dit que, journée jeudi, il n'y a pas capoté bourré, parce que sous base Title 42, il y a capable toujours voyer, il a capable toujours déporter. C'est ça veut dire. Et maintenant, ça, l'administration a fait. Normalement, il y a deux possibilités. Il y a un droit, justement, pour faire leur procédure, décider, faire ça, juge l'a dit, mais son bagage, il peut le prendre pour petit, entre 6 mois à n'importe un an. Donc, il dit que. Terminé Title 42 à prend en fait si vous choisissez vous de ça bien entendu pour aller recommencer à zéro bon l'administration compte hein, fait ils ont annoncé là et justement ils ont pas le fait ils ont aller en appel ils ont aller en appel mais laissez-nous dire ça vous comprendre c'est une décision de justice qui fait dans Louisiana donc appel là pour aller dans sens tête dans Louisiana or ça passe c'est que dans zone ça dans bloc ça Louisiana à pile côte ça c'est un tribunal qui toujours prend des décisions contre Biden donc qui vous le dit Biden risquait perdre encore en appel n'a vraiment que administration Biden non? Là n'a pas les Title 42 mais on bonne l'autre décision tant qu'on remain in Mexico tant qu'on décision de prendre le fait monter pour le dire 100 jours pour bloquer déportation. Bon, moi, la décision que l'administration ça prend est que des juges disent non au pape Kafel, des juges bloqués. OK? Et, mais faut nous dire bien avant, juge, en fait, c'est plusieurs, nous connaissons plusieurs states qui ont décidé de traîner Biden la justice sous dossier ça. OK? Donc, juge l'a dit, Biden, paf, suivre procédure, yo. OK? Et dit tout, si tu pas expliquer qui genre circonstances yo pas de explication et autres. Et maintenant décision ça, li inconsistant. Et yo dit immédiatement faut ta révoquer li. Puisque l'inconcevable inconcevable pour que des décisions, parce que l'OLCDC, c'est Centre for Disease Control and Prevention, son institution créée pour ça, et au bal doit
depuis qu'il y a une pandémie, c'est lui-même qui a une autorité pour faire des injonctions et autres. Donc c'est lui qui est expert. Et c'est sous lui que tu as supposé, que ce soit la présidence et autres, tu as supposé compter, qui a une autorité. Donc pour montrer l'aberration qui gagne dans la décision, ça a jugé la prendre. Et donc, ça voulait dire, il voulait dire que pour minimum, là, c'est l'administration qui a choisi, bien entendu, recommencer et faire procédure. Et j'ai un doute là, son bail qui a pris n'importe 6 mois, et même 1 an même. Donc, pour l'arrivée, terminer, il y a une décision qui est prise, qui normalement reposer sous autorité CDC. C'est ça à cause est là. OK? Et donc, décision ça qui ça dit, c'est une décision qui baille qui baille des states républicains possibilité pour yo rollback, pour yo bloquer des décisions de la présidence et des décisions des institutions compétentes dans le domaine. Maintenant, ça, je ne l'ai dit pas, il y a les lois injonction préliminaire. Ça, vous comprenez en bas là, le thème injonction préliminaire. Le thème injonction préliminaire, pas même blé dit que une décision finale dans le tribunal, non? Et c'est ça pour nous comprendre. Injonction préliminaire, là, il veut dire, pas dit que ou entendons la présidence. On va dire que on tort. Mais en attendant que vous fassiez procès ça pour venir discuter devant moi, moi passer l'ordre pour camper sous décision là. Donc son tactique qu'il veut utiliser, c'est comme quoi et juge là justement pas nécessairement bail la présidence tort. Il dit mais en attendant pour procès à continuer, moi font camper les combien de temps procès ça, il capront pile temps. Voilà pourquoi, et le premier bagage qui va le faire là, nécessairement, c'est appel qui va le faire. Et décision, ça, on l'autre fois encore, qui arrive dans le Supreme Court. Pendant ce temps, Supreme Court, là, on l'autre dossier, immigration, nan men là, il est supposé décider sur lui pour mois de juin, qui a un rapport avec Remain in Mexico Policy. Donc, c'est un bagage qui va aller dans le Supreme Court. Maintenant, nous voulons rappeler pour vous, toujours ce dossier, ça, à clou. Lui-même, il a gagné une décision de justice favorable. Qui dit, sa décision, ça dit, il dit que c'est vrai que, ok, nous avons toujours appliqué Title 42, non? Mais les gens qui ont joué, qui ont subi des tortures, ok, ils ont supposé tendre les gens. Ok, et d'après, on procède à clou gagner la justice. Mais prendre bien prouver qu'on subit torture est beaucoup plus difficile. Vous comprenez? Parce que, vous nous comprendre, il y a des asiles proprement dites, mais il y a des cas, comme ça dit, pour des gens qui ont des reliefs sous base humanitaire, soit qui ont subi des tortures et autres, c'est des cas qui sont beaucoup plus difficiles à prouver qu'un simple asile. Donc, c'est comme ça que vous nous comprenez. Donc, ça veut dire que ça. Capable de quelques grains de monde que yo quitté passé en bataille tel 42. OK, donc c'est comme ça pour nous Aurélie. Donc voilà guys, et quelque part c'est un bagage qui pas ton surprise du fait que pas juge la t'a annoncé le t'avoir le fait, OK? Donc encore une fois, pour la énième fois, l'administration Biden a été bloquée par le système du judiciaire, d'où l'urgence et la nécessité pour Biden presser sous école là. Comment c'est vie des juges, si j'ai bien commencé le 2021 là, mais pour 2022 là, beaucoup tellement tendez vers les juges. Donc, faut dégager la vie des juges tout ce monde parce que cause à son cause des juges, on dégage vous gain plus juge, vous comprenez? Si vous voulez marquer un point tout, on dirait que présentement on est capable de dire, ou quand même questionner la notion de la présidence, puisque président est supposé obéir avec décision judiciaire. Voilà. Pour moun comprendre bien en politique, l'Europe fait politique. Ou comprendre, je vous dis, influence ça nous relève. Et si y a un monde qui comprend, cause ça bien, c'est Maconnel.
Si il y a un monde qui comprend li bien, c'est Maconel. Li goumen, on remarque Jean Blo Obama pas même quitter Obama mettre un juge suprême court. Maconel comprend ba ça bien en politique. L'important du pouvoir judiciaire, et c'est ça et c'est conséquence là qu'a fait dans moment là. OK? Donc voilà guys, nous devons voter update ça pour nous. Et portez-nous tout bien.